Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Assetto Corsa, premier du nom pour une petite session d'entraînement pour les 24 heures du Mans. Alors, il va y avoir une course qui va avoir lieu samedi à 21h, 24 heures du Mans en catégorie DPI. Alors, c'est possible que je participe, je vous mettrai le lien dans la description. Je n'ai pas encore eu le temps de vous mettre le lien dans la description, donc évidemment, c'est sur inscription. Donc, vous aurez toutes les infos. Je pense que cet après-midi, j'uploaderai ça. Donc, vous retrouverez ça dans la description. Donc, on va être en catégorie DPI sur Le Mans. Et puis, ben, c'est un circuit que j'ai pas beaucoup roulé avec. Donc, roulé dessus plutôt. Donc, du coup, il va falloir que je m'entraîne. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis mis dans le Content Manager. Et je vais faire rejoindre. Voilà. Hop, je vais mettre ça en mode performance. Bah ça a chargé vite fait. Voilà, mode performance. Clac, voilà, comme ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci. On y est déjà. Et je fais switch to VR. Voilà, qui est fait. Et normalement, ah bah ça démarre de nuit. Donc je suis avec la Mazda. Je suis avec donc la Mazda. Il faut que je recalibre ça. Voilà. Alors je vois toujours ma grille. C'est pas bien. Et voilà. On y va. On va commencer tranquillement. Il y en a déjà hein, qu'on fait des chronos du coup. Donc je suis pas super fort hein, moi sur ce circuit, étant donné que je le connais pas des masses. Allez, on va démarrer tranquille. Je suis le seul hein, pour l'instant sur le serveur. Alors un circuit qui est super bien modélisé dans Assetto, vraiment. On met les phares évidemment, ce sera mieux. Et des voitures qui gueulent. On va essayer de pas louper le premier virage. Les freins sont froids. Alors la nuit, vous allez voir. C'est très très noir hein. Normalement, on prend avec la config que j'ai, on va prendre plus de 310 km/h dans la ligne droite. On va voir ça. J'ai peut-être pas la bonne. Eh non, j'ai pas la bonne config. Il va falloir que je rentre au stand. Je vais faire back to pit direct. Alors, donc retour au stand. Alors, est-ce que j'ai là Est-ce que je peux cliquer la charge? Voilà, je vais prendre celui-là. Voilà, normalement, c'est tout bon. Je peux redémarrer et j'ai la bonne config. On y va. Le jour se lève. Bienvenue à tous, hein, tous ceux qui rejoignent le live. Allez, on est parti. Regardez voir un peu. Aïe, 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 mais là je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Regardez voir le jour qui se lève. Faut vraiment que je l'apprenne ce circuit.
Aïe, 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 je la perds déjà d'entrée de jeu. Salut, comment vas-tu, Verdict? Alors je suis, petite session d'entraînement comme tu peux le voir, sur ce circuit que je ne maîtrise pas du tout. Enfin, je me fais pas de soucis. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il rend vraiment bien VR, hein, du coup. Oui, bah alors je. Oh, bah, comment on dit, gars, on fait ce qu'on peut, c'est la seule heure là pour le moment où je peux stream, donc j'en profite, hein, c'est vraiment histoire de m'entraîner, puis que les gens puissent après pouvoir regarder le contenu. Mais effectivement, hein, je le sais pertinemment que c'est pas la meilleure heure. Bientôt, je pourrai faire vraiment ce que je veux au niveau des horaires. Ce sera quand même beaucoup, beaucoup mieux, effectivement, de pouvoir interagir avec vous. Salut, Andy, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Ah non, je prends plus de 300 là avec cette config. Ah oui, mais faut pas que j'oublie de freiner, évidemment. Faut pas que j'oublie de freiner. Allez, les hélicos sont trop bien faits là dans ce mode là. C'est magique. Ils nous éclaire le circuit, c'est quelque chose d'incroyable. L'immersion est vraiment au rendez-vous. Ah merde, je me suis trompé de virage encore. Aïe, 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 aïe. Allez, on recommence, on repart. Non, alors moi, pas trop la gerbe, les courses en VR, c'est une bonne question hein, pour ceux qui sont pas habitués à rouler en réalité virtuelle. Moi, vraiment, je n'ai pas de motion sickness, non, mais vraiment, aucun. Je peux rouler des heures, j'ai pas de soucis. Le seul truc qui peut me faire, bah, je pense que comme tous les gamers, c'est au bout d'un moment, je peux avoir mal au crâne, évidemment. Et non, vraiment, j'ai aucune incidence néfaste sur mon cerveau, vraiment. Et ça, c'est génial parce que du coup, pour les placements en VR, c'est quand même. On connaît le circuit, c'est quand même vraiment bien, quoi. Hein. C'est vrai, on a vraiment l'immersion et c'est comme si on y est. Hein. On va aller chercher loin du regard. Ça c'est vraiment génial, hein, la VR pour ça. Alors vivement qu'on ait accès au super casque, hein, comme le Vario par exemple. Vivement qu'on ait accès à cette technologie pour un plus grand public. Ah, c'est déjà un peu mieux que le premier tour là. On va essayer de pas se planter. La grande ligne droite. Je suis à bord donc de la Mazda. On va essayer d'être prudent. Pas d'attaquer comme un fou. Ah, t'as des bouffées de chaleur. Eh ben, j'avais un copain qui est comme ça. Il y en a, hein, il y en a qui font partie, on va dire, de la team fragile. Hein. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Effectivement, j'avais un. Allez, freine. J'ai vu un copain faire ça. Je l'avais fait ici, un jeu. C'était du wingsuit. Je l'avais essayé. Je l'avais fait ici un jeu au bout de quelques minutes. Mais elle a dit enlève vite le casque, je vais vomir. Donc c'est ce que j'avais fait, il était tout blanc, il avait une montée comme quand on fume trop de chichons. Et du coup, le pauvre,
C'est pas l'expérience agréable, hein. Du coup, alors moi, ben, j'ai de la chance, hein. J'ai de la chance vraiment. Mais je pense que ça va faire beaucoup de progrès avec les nouveaux casques. Peut-être bien souvent, quand on a envie de vomir, c'est que on a trop de latence. Ou tout simplement, ça fait un peu comme le mal des transports. Hein. Il y en a qui sont sujets au mal des transports parce qu'en fait, le cerveau il comprend pas pourquoi ça, la route défile alors qu'on est assis, quoi. En fait, il est là le souci. Si je me souviens bien, c'est une courbe assez longue. Et là, on peut ouvrir encore. Oh, les hélicos! Eh oui, mais là, fallait freiner! Et là, grosse chicane après. Je pense que le circuit, je vais pas tarder à bien l'appréhender. Ouais, c'est mieux. Je pense que au début, au début hein, que je me suis mis à la réalité virtuelle. En fait, oh là là, mais je fais n'importe quoi. En fait, mon cerveau il se demandait ce qui se passait. Hein. Donc c'est vrai que j'avais pas tenu longtemps. Il m'avait fallu quelques jours hein, pour m'en remettre. Et maintenant, non, pff, je suis tellement habitué. Mon corps, il est habitué, tout simplement. Je pense qu'effectivement, faut s'habituer. Faut faire des petites sessions au début. Et par exemple, là, je roule souvent avec Alex Vanny Racing. Lui, il a eu des problèmes hein, de motion sickness donc en VR. Et maintenant, il peut plus s'en passer. Et il disait qu'il faisait des meilleurs chronos maintenant en VR que sur flat. Ce qui est pas du tout déconnant et moi je suis pas concentré. Ouais sur Elite Dangerous, ouais ça peut le faire. Alors je sais que Elite Dangerous, j'ai mis longtemps à arriver à faire des super réglages. Pour justement éviter la latence. Et maintenant moi je tourne en Wi-Fi 6. Du coup, ça m'évite cette latence. J'ai de meilleures perfs moi en Wi-Fi 6 qu'avec le câble. Bon, je vais encore pas valider de chrono là, tellement que j'étais mauvais. Bah, c'est rien, oh, c'est rien, c'est l'entraînement, hein. c'est pas la course, là. C'est pas la race, mon gars. Alors, on va essayer de pas louper un corner. Je me suis mis pour rappel le petit circuit là en haut à droite. Je le connais pas bien. Ça tient le pavé, hein. Ça tient le pavé. Merde. Allez, je regarde le chat encore. Oh là là là. Allez, on repart depuis l'instant. Ça tient vraiment le pavé. On peut vraiment. Ah, je suis obligé d'attendre. Bah, on pourra discuter comme ça. On peut vraiment repousser les limites de la bagnole. Parce que ça freine fort et ça tient vraiment, vraiment la route. Du coup, on va en profiter pour voir quelle config on avait pour. Pour les qualifs, donc en essence, je suis à 25 litres. Ah, c'est deux tours et demi, deux tours, presque trois tours pour l'essence. Et je voulais voir les pneus. Qu'est-ce qu'on a? Ah, du slick soft, ok. Slick soft. Et qu'est-ce que j'ai le choix? Slick medium, slick hard. Normal, je pense que pour la course, je prendrai les slick hard si je la fais. On va rester en soft. Il nous reste quoi, 35 secondes avant de pouvoir relancer.
quelle immersion dans ces bagnoles, vraiment. C'est magique. Et les stands, ils sont tellement bien faits. On s'y croit, hein, vraiment. On s'y croit. C'est très très bien modélisé. Allez, encore 10 secondes et on démarre. 2 jours et on va essayer de faire un petit chrono. Et c'est parti. Allez. Alors je pense pour encore, faut que j'augmente la qualité de mes rétroviseurs et les avions qui passent devant nous. Donc là, ce tour il compte pas évidemment. Mais on va en profiter pour chauffer les pneus et les freins. Ah, j'aime pas mordre ce côté-là. On est embarqué sur la gauche. Et la grande ligne droite où on va prendre 310 km/h, s'il vous plaît. C'est un gros freinage là. Très très dur de savoir quel moment freiner. Alors j'ai une caméra aussi hein, là pour voir l'arrière. Et de rétro. Allez, on y envoie un peu, on va reprendre les 300 ici. J'ai déjà mieux négocié, hein. Avoir à nouveau une chicane, il me semble. Ah là, j'aurais pu lâcher largement plus tard. Un gros freinage là. Le truc le plus gênant hein, qui peut-être pour la VR, c'est ceux qui ont tendance à transpirer. Moi j'ai pas ce problème là. Ceux qui ont tendance à transpirer, du coup ça génère de la buée. Qu'est-ce que c'est chouette cette partie-là. Gros freinage. Ah, ça m'a pas compté le temps. Et c'est fou, ça. C'est fou. J'avais un doute, hein, je me disais, je vais encore la perdre. Allez, j'essaye de jouer le jeu là.
Est-ce que ça pousse ces bagnoles? Ah oui, c'est clair. Ah, je confirme. Quand ça te gratte sous le casque, là, tu sais pas comment t'y prendre. Ou alors en haut du crâne, tu sais pas comment y choper. Gros freinage ici, faut pas que je me plante. Allez, je préfère être prudent, essayer de faire un chrono. On se décale. Mon chat, je pourrais peut-être le relever un peu plus, je pense. Pour que je puisse voir, même en conduisant, ça pourrait être cool. Avec les petites jodes, hein. Au milieu du tableau de bord, en haut, qui nous signale le changement de rapport. C'est déjà mieux, on va essayer de tenir jusqu'au bout sans faire d'erreur. J'ai appuyé le freinage là, mais ça s'est bien passé. J'ai eu chaud là, j'ai vraiment eu chaud. Ok, là c'est rapide. Je vais essayer de pas louper ce freinage là. Allez, c'est déjà mieux. 3,43. Ah. Ok, bah faudra que tu partages ça. N'hésite pas à partager ça, mon gars. Vraiment une salle dédiée au sim racing, alors. Alors moi, je fais tout hein, dans ma salle, là. Bon, j'ai la chance de pouvoir... non, plutôt d'avoir la place, mettre mon matos. Et tu joues à quoi du coup en sim racing? Tu joues assez tôt aussi? Ça a tenu! C'est pas ça qui m'a fait gagner. Oui, tu joues un peu à tout, hein. Là, moi, je viens de changer mon matos hein, il n'y a pas longtemps. Et j'en suis enchanté. Allez, je suis à moins, je suis à plus 7 secondes.
Est-ce que t'es ici automobiliste à deux? Parce qu'en VR... automobiliste à deux, vraiment, il déchire. Hein. Mieux qu'à cet Corsa. Hein. Cet Corsa est pas mal, hein, mais automobiliste à deux, il est un cran au-dessus. Alors, cet Corsa compétitionne et n'en parlons pas, c'est déplorable en VR. Ouais, vraiment, vraiment, teste-le, automobiliste à deux, franchement. Tu vas être sur le cul en VR, ça va te réconcilier avec, avec la VR pour le sim racing. Moi, toi, je suis pas très habitué à Assetto Corsa, là, celui-là que je fais en ce moment. Je suis vraiment plus habitué à automobiliste à deux. La différence, tu vois, c'est plus net hein, dans Automobiliste à deux. D'ailleurs, si jamais t'as projet de Cars, tu dois t'en rendre compte que le moteur est super net pour la VR. Et au niveau de la physique, ils ont fait grave des progrès. Depuis la dernière mage là, hein, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, ils ont tout amélioré. Les GTE, les GT4, les GT3. Les Super V8, ils ont tout revu, la physique au niveau des pneus, et c'est magique. Hein. Le seul truc qui manque là pour le moment à mon goût dans Automobilista 2, c'est le swap pilote. Quand on aura ça, ça promet des grands events. Dirt Rally en VR, super bien optimisé. Super bien optimisé. Aux petits oignons, vraiment. Aussi net que Automobilista 2. Vraiment, c'est ouf. Ah, je suis en avance sur le chrono. Ah bah j'ai plus d'essence. Ah, ça c'est ballot. Eh ben ouais, normal, j'avais dit 3 tours. Voilà, et je suis en roue libre. On va faire back to pit. Et voilà, back to pit. Donc oui, effectivement, Dirt Rally 2, il est super, super classe. Mais vraiment, super classe. Allez, on redémarre. Alors ce qui est génial, là, dans Assetto, là, sur cette bagnole, on a toutes les infos sur le volant. Voilà, le temps autour. Le meilleur temps, si jamais on avance ou en retard, là on voit plus de GTA plus de 2,58. Et toutes les infos, on les retrouve ici. Et ça, en un seul coup d'œil, on sait où on en est. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial, vraiment. Alors, traction control, je vais passer à 2. GTA 3. Alors je l'ai pas avec mon direct drive là, Dirt Rally 2, je l'ai pas réessayé. Là c'est la deuxième fois par exemple sur Assetto Corsa que je joue avec le direct drive. Hier j'ai fait les réglages. Et Dirt Rally je l'ai pas encore essayé avec le direct drive. Donc j'ai hâte aussi de tester ça. J'ai retesté Kartcraft. J'ai testé également Automobilista et j'étais enchanté. Là Assetto enchanté, j'ai fait le bon réglage. Et j'ai envie de m'entraîner au drift avec ce direct drive. Alors là, c'est pareil, ça va demander un réglage aux petits oignons, je pense. Ouais, direct drive. C'est le GT DD Pro chez Fanatec avec un pédalier. Fanatec également, et avec une pédale de frein Lotsel. Et je suis donc en 8 Nm de couple.
Et ça me change la vie, hein. Ça me change la vie. J'ai changé également le châssis. Direct drive, ah, c'est-à-dire, alors le direct drive, c'est... c'est de pas louper ce virage. Direct drive, alors, par rapport au, on va dire au... C'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire, mais au volant de moins de milieu de gamme, on va dire, ça marche bien souvent avec des courroies pour faire le retour de force. Tandis que quand on parle de direct drive, c'est vraiment une prise directe. Et on est en prise avec des aimants, donc avec un moteur brushless, comme ce qu'on peut retrouver dans le modélisme, par exemple. Et en fait, ce qui fait la force du volant, le retour de force, ce sont non plus des courroies. C'est simplement des aimants avec un électro-aimant. C'est pour ça qu'on peut avoir autant de force et autant de ressenti dans le volant. En termes de vibration, en termes de ressenti sur la route, en termes d'aspérité, en termes de du genre de pneus, de glisse. Voilà, on a beaucoup plus d'informations. Voilà la différence. Par rapport à un volant classique, direct drive, c'est vraiment des aimants. Et ça change tout, ça change la vie. C'est pas le même prix, évidemment. Allez, on est reparti pour un tour. On va y aller à fond. Aïe, 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 j'ai trop attaqué. J'ai trop attaqué. Alors le... Ah, mais ça, je m'en souvenais plus que c'était là, ça. C'est cool. Alors le prix de mon DD, c'est 900 €. En fait, avec le châssis, j'en ai eu pour 1007, je crois, un truc comme ça. 1006. Je vais retourner. Voilà, de mémoire, c'est dans les 1000 balles ce que j'ai acheté. Chez Fanatech. Alors c'est le petit direct drive, hein, de Fanatech, mais j'ai pris l'option à 150 €, l'option 8 Nm de couple. Et l'option pédalier Lotsel. Si jamais tu veux voir par exemple le châssis à quoi il correspond, j'ai mis le lien dans la description. J'ai pas encore mis le lien Fanatech, ça va pas tarder. Moi, c'est le GTDD Pro que j'ai. Allez, on va faire chauffer ça. J'aimerais bien essayer d'améliorer 3,43 watts. Après, je vais quand même faire un test avec avec des pneus durs, voir combien ça tourne. Alors, pour atteindre plus de 310 km/h, j'ai plus beaucoup d'aéro, hein, j'ai plus beaucoup de traînée. Le circuit commence à rentrer du coup.
Ouais, bah oui, si t'as déjà un bon châssis. Si t'as un bon châssis, alors moi j'ai le châssis Hoplite, le GT-R S3. Oh là là, mais non, non, dès que je parle, je fais des conneries. GT-R S3 Elite. Et j'en suis enchanté aussi, hein, j'ai aucune vibration. Aucune vibration, le direct drive est super bien supporté. Donc ça c'est cool. J'avais peur, hein, j'avais peur, je savais pas trop quel châssis, quoi comme châssis prendre, vu que ça a quand même beaucoup de force. Et ben il fait vraiment le taf. T'es équipé avec quoi comme volant du coup? Ok, G29, ouais. Ben, j'avais le G27 moi, tu vois, je pense que c'est la même base de volant. Qu'est-ce qui c'est beau ces enchaînements de virages là? Allez, je vais essayer de me lancer. Salut, Bradva! Oui, t'as vu, hein? T'as vu la simu, c'est mon dada. Ah ouais, faut bien. Allez, non, à chaque fois je loupe ce virage, faut bien entraîner ce nouveau châssis. Et ce nouveau volant. Ah oui, t'as une PS3, ok. Ok, gars. Combien faut que j'attende? Ah non, j'ai cru qu'il fallait que j'attende, mais non. Donc c'est bien. Faut vraiment que je remonte mon chat parce que je me prends des murets, mais. Je crois que je vais essayer de le remonter direct, là. Je vais me garer. On va se garer, on va essayer de le remonter, là. Parce que là. C'est n'importe quoi. On va le remonter, j'aurai moins de soucis. Hop. Ah, mais merci. Merci, mon gars. J'aime bien les fidèles, là. C'est cool. C'est cool. Vraiment. Vraiment. Alors là, je suis sur Assetto Corsa, hein, premier du nom. Et donc, en catégorie DPI, pour les 24 heures du Mans, qui aura lieu samedi à 21h. Alors, je ne sais pas encore si je participerai. Mais vu que je ne connais pas le circuit, bah, je m'entraîne. Et voilà. Donc je vais essayer de remonter le chat. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Alors. On va le mettre comme ça. Et mais. Merde. J'essaie de le mettre que ça ne me masque pas le volant. Parce que j'aime bien voir mes infos de volant. Là, je pense que je suis pas mal. Ouais. Ah, beaucoup mieux. Non, putain, ça y est, je pourrais vous regarder là. Ok, alors je vais faire back to pit et on recommence. Allez, feu. On dirait que c'est le moment de faire le chrono parce que la luminosité commence. Alors, en VR, dans les menus, tu utilises les manettes Oculus. Non, j'utilise la souris hein, pour Assetto Corsa. Si c'est ta question. Alors si ça vous intéresse hein, le sim racing, que vous êtes équipé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord AK
Racing. Le lien est dans la description. Donc c'est un Discord qu'on a monté avec Alex Vanning Racing. N'hésitez pas à le rejoindre. On en est plus d'une centaine maintenant. Et on tourne quasi tous les soirs. Grosse communauté donc. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ce sera avec plaisir. On puisse rouler ensemble. On organise des open régulièrement. Il y a toujours quelqu'un. Gros freinage ici. Ça va mieux le chat ici. Alors par exemple pour Automobilista 2 maintenant, c'est vrai qu'on, la dernière fois qu'on a tourné, on a mis un rating en B. Donc effectivement, il faut rouler un petit peu pour atteindre le niveau B. Mais enfin, c'est largement jouable. Hein. Le tout, c'est de ne pas avoir d'accrochage en fait. Essayez de conduire le plus safe possible lors de vos courses. J'ai failli louper le virage, mais je m'en suis sorti. Et comme ça, bah voilà, pour tous les open, vous pouvez venir. Alors en fait, pourquoi maintenant sur Automobilista 2 on... Non, on fait pas de championnat débutant, non. Mais bon, c'est dans la journée, même le week-end, je pense qu'il y a toujours moyen de rouler avec quelqu'un, hein, au moins voilà, pour avoir les bases, les bonnes bases. Alors pourquoi lors des open, on met du rating un peu plus haut? Eh ben pour pas se faire taper par des gens qui ne connaissent pas les drapeaux, par des gens qui ne connaissent pas les points de freinage. Voilà, c'est assez frustrant vu qu'on met des dégâts en course. Et ben voilà, on espère avoir que la communauté grandisse de plus en plus pour avoir de plus en plus de monde lors des courses. Du coup, ça a été une demande de notre communauté justement de bloquer un rating élevé. Parce que les gens râlaient. Il se faisait percuter, ce qui est un peu logique, hein. Oui, carrément, mais à chaque fois qu'on roule, c'est fun, hein. Et puis bon, si jamais quelqu'un n'a pas le rating, quand on n'est pas en open, hein, on fait pas que des open, on roule des fois vraiment pour le fun, des fois pour le plaisir. Donc des fois quand quelqu'un parle rating, on le réduit, hein. On le réduit. La luminosité commence à baisser grave là, ça va être compliqué d'améliorer le chrono. Faut vraiment que je me mine pour ce tour là. Allez, on va y attaquer un peu. Donc il y a un cycle jour et nuit, hein. Allez, on va lancer. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est toujours bon de s'entraîner tout seul. Regarde, moi je suis tout seul là, je m'amuse comme un fou. Allez, est-ce que j'ai de l'avance? Oui, j'ai de l'avance. Le centième d'avance. C'est ici, il faut pas que je loupe. Magique ces voitures. Toujours en avance, oui, 4 centièmes maintenant. Donc je me méfie à la prochaine chicane. Oui, nous on est sur PC, hein. Et ouais, on a la chance. Oh mais qu'est-ce que je fais là? Là, j'ai dû perdre tout mon avance. Ah non, j'ai toujours de l'avance. Waouh. Ah non, j'en perds maintenant. 5 centièmes. Ça dégringole. 4 centièmes. Allez. Toujours un peu d'avance. Là, il va falloir que je sois finaux ici. Thank you.
Allez, allez, allez! Toujours de l'avance, mais alors ça fond, je n'ai bientôt plus. Allez, je reprends de l'avance là. Ouais, c'est bon, je regagne de l'avance. Un gros freinage. Après ça, ça y en a la nuit. C'est bon, je reprends d'avance. Allez, je vous lirai sérieusement à la fin de ce tour. Allez, on y va. Il va y avoir un gros virage ici. Allez, j'ai une seconde d'avance. Ah là, c'est la nuit, hein, la nuit qui s'installe vraiment. Une autre ambiance, les points de freinage vont être durs à trouver. Allez, on y attaque encore. Allez, allez, ça passe! Allez, presque 2 secondes d'avance, 1 seconde 8. Oh! Bien joué! Bien joué! Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Véronique, t'es sur PC et console, ok. Ah oui! Oui. Ben, tu peux. J'ai fait une vidéo hein, sur Sutoko, Sokuto, je m'en souviens plus le nom. Je l'ai fait, Bradva Gaming, ce circuit, tu verras. Hein, et je pense que j'ai même mis le lien. Donc, c'est vraiment un mode, effectivement, sur Assetto, un mode à installer. Vraiment. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Du coup, moi, je vais. Essayez les pneus durs. Retour au stand. On va changer nos pneus. Alors, pneumatique. Là, je suis en slick soft, slick medium, slick hard. On va tester le slick hard. Et on va s'augmenter l'essence. L'essence. Donc là, ça me dit que je suis pour 3 tours. Et si je mets à fond, combien ça fait de tours, cette histoire? On va se mettre pour 7 tours. Et on va voir ce que ça donne. Allez. On va voir ce que ça donne avec ces pneus lourds. Ces pneus durs. Donc je tourne en quoi? En 3,43. Alors la nuit, vous allez voir, hein, c'est autre chose. Hein. Et surtout que là, en pneu dur, donc, moins de tenue de route. Par contre, plus une configuration course. Alors je sais pas ce que ça donne de votre côté. Au niveau visionnage, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai pas de lag, de latence? Ah, t'habites à 20 minutes de Spa, tu as déjà roulé dessus ou pas?
impressionnant la nuit, hein, vraiment. Très, 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 très chaud. Hein. Ok, ok. Ouais, qu'une petite partie, je suppose, la partie route que tu peux emprunter. Ça va être sympa hein, à faire. Hein. Et oui, dites-moi si ça lag, si comment il est le live. Est-ce qu'il est propre? Ah, je commence à connaître le circuit vraiment par cœur là. Ouais, super. Bah, je suis bien content parce que j'avais peur hein, que ça lag. J'ai eu des problèmes quand je faisais justement sur la piste au Japon, sur Chutoko là. Car je pense sur Assetto Corsa, c'est la map qui demande le plus de ressources. Étant donné qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de bâtiments éclairés, j'avais eu des soucis de réglage. Là, c'est le même réglage que j'ai sur cette carte du Japon. Donc je suis en virtual desktop en Wi-Fi 6. On va voir le chrono que je peux sortir sur le tour d'après. Merci hein, pour ton retour, Verdict. Merci aussi, Radva. Oh là, j'ai tellement freiné, j'avais plus de repères, je savais plus où j'étais en fait sur le circuit. Allez, on va voir ce que ça donne en chrono, ces pneus là. On a vu, on doit quand même grave perdre. Allez, on y va. 3060 Ti, ok. Moi j'ai une 2080 Super. J'en suis super satisfait. Alors évidemment, j'aurai une 3080. Je la prendrai hein, sans hésiter. Vous avez vu les prix. C'est ouf. Pour le moment, elle fait le café, hein, la 2080. J'en suis vraiment, vraiment très, très satisfait hein, de cette carte graphique. Et surtout que depuis que je suis passé en Wi-Fi 6, où j'ai plus de problème de latence, c'est un pur régal. Je me fais plus piéger pour le moment. J'ai plus une seconde de retard là. Super aussi pour toi. Ah ouais, ah, ça se fait du bien, premier vrai PC. Moi j'ai le processeur qui est en water cooling. Et puis je me suis payé une clim pour le bureau. Donc là j'ai encore pas mis. J'ai une clim portable, on va dire. Enfin pas portable, mais je suis obligé de mettre l'aération sur le Velux. Donc croyez-moi que dans pas longtemps, elle va être en route.
Ouais, ça c'est un truc de fou, hein. Ils nous assassinent, hein, maintenant, hein, au niveau des prix, hein. C'est le prix d'un PC d'avant, hein, les prix d'une carte graphique, hein, maintenant. Ça claque, hein, la nuit, quand même, sur ce circuit. Secondes de retard. Ouais, c'est clair. Alors j'ai un store bien occultant, hein, pour le Velux. Mais bon, quand je mets la clim, j'arrive à tempérer. Je me mets à 22 degrés l'été, c'est parfait. L'enchaînement de virage ici. Je loupe l'apex là et je prends trop large. Ok, donc je me prends à 3 secondes, hein, 3 secondes. Ouais, c'est vraiment abusif, hein. On compte deux fois le prix d'une normale, quoi. Ouh, ça passe. Alors vraiment que je me méfie, hein, si jamais je fais la course, parce que là c'est très très piégeux, hein. Faudra pas. Je vais essayer de conduire comme si je faisais la race. Je vais essayer de pas trop attaquer. Voir en moyenne en combien on peut tourner sur plusieurs tours. Le but, hein, d'une course longue, donc ce sera une heure de course en accéléré pour reproduire les 24 heures. Donc on aura notre cycle jour et nuit. Du coup, le but, quand on fait des courses comme ça, c'est de maintenir une moyenne, c'est pas d'attaquer comme un sauvage sans arrêt. C'est conduire vite, mais sans prendre de risques. Salut Aurélien, bienvenue sur le live, mon gars. Bienvenue. Bah oui, il faut une 3080, c'est sûr. Par rapport à une 3070, ça doit être le jour et la nuit. Mais bon, déjà une 3070, ça va. C'est l'équivalent de la 2080 Super, hein, je pense. Hein. Donc... N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, sur le live, les gars. Je pense que c'est déjà fait, mais j'ai pas la main là-dessus. Il me semble que j'avais regardé les performances de la 3070. Il me semble que ça se rapproche vraiment de la 2080 Super. Alors, comme je disais, Aurélien, mais t'étais pas là, je vais le redire. Je sais pas encore si je pourrais participer. C'est pour ça que vous avez pas vu que j'étais inscrit pour cet event. Hein. Alors j'aimerais y participer, mais je sais pas encore. C'est un peu trop tôt pour moi pour dire si je pourrais ou pas. Et je préfère évidemment pas m'engager. Si jamais je peux pas venir, j'aimerais bien. C'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même aller m'entraîner sur Assetto Corsa. Un jeu que je connais pas beaucoup au niveau de la course, en fait. Au niveau des manips du menu, ce circuit, je le connaissais pas du tout. Curieusement, d'ailleurs. Hein. Mais du coup, je préfère m'entraîner avant. Et si jamais je cours, forcément. Je vais live. C'est 24 heures avec plaisir. Je me répète, mais cet enchaînement, je le trouve
Magique de magique. Pas mal. Pas mal du tout, hein, cette caisse, hein. Vraiment. Alors du coup, là, j'ai tourné en 3,48 dans ces eaux-là, hein, il me semble. Et on va voir si on peut maintenir ce chrono avec ces pneus-là. Ça donnera une bonne idée du chrono en moyenne que je peux faire. C'est vraiment fantastique la nuit. C'est important de rouler la nuit, hein. C'est important. Bon, s'entraîner deux jours, c'est bien, mais la nuit, ça change tellement tout. C'est tellement plus dur. Un beau freinage dégressif. Aurélien, tu vas courir toi pour les 24 heures ou pas? Allez, on va prendre cette belle chicane. Je vois, il y a aussi que sont les... Où est la route pour l'arrêt au stand? Parce que j'ai encore pas repéré ça. Allez, cool, cool, cool! Il manque le jour revienne là. Ouh, le coup de raquette, je me suis pris sur le vibreur là. J'ai eu chaud là. J'ai vraiment eu chaud. Attention de ne pas s'emballer, hein, quand on est de nuit. Mais non, mais non, je me suis emballé. Ah, je me suis emballé, je pensais qu'on pouvait le prendre à taquet, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit, mon Aurélien? Je me gare, si jamais j'ai d'autres pilotes. Non, pour l'instant, je suis tout seul sur le serveur. Ah, ok, ok, Aurélien, ok. Et tu comptes le regarder, le live? Regardez les Nico, là, qui passent là, juste là, avec le Projo. Regardez voir cet hélico en train de survoler la piste, c'est magique. Alors cette entrée au stand, eh hey, mais c'était... Est-ce que c'est là? Et non, c'était bien avant. Eh oui, c'était là. C'est là l'entrée au stand. Ah ben je vais refaire un tour et on va voir cette entrée au stand. Regardez voir comme c'est fait. Regardez comme c'est beau, comme c'est modélisé. C'est énorme. Énorme cette ligne droite des stands.
Ça fait du bien de boire, hein, je vous le dis. Quelle heure il est? 3h05. Allez, je me fais encore un tour ou deux et puis après j'arrêterai le live. J'arrêterai la session d'entraînement. On va aller repérer cet arrêt au stand. Et pas facile premier enchaînement de virage, je trouve. Le jour se lève. Alors je vous mettrai hein, tous les liens pour ceux qui veulent participer à l'event. Je vais vous mettre ça dans la description. Ah, ben c'est cool, Aurélien. Merci. Merci, mon gars. C'est cool. On fera la fête ensemble. Donc 3:43 mon best time. Je pense qu'il y a meilleur, hein, il y a vraiment meilleur que moi, étant donné que le circuit, vraiment, je suis pas au top, hein, je suis encore pas bien au point. La voiture, c'est pareil, ça change beaucoup de. Enfin, beaucoup. Ça change quand même par rapport à Automobiliste à 2. Hein. Automobiliste à 2, je suis vraiment bien habitué au DPI. Ouais, t'as vu? Ça va vite. Hein. Oui, je sais pas le temps multiplicateur, faudrait faire le calcul. Parce que en une heure on fait 24 heures. Donc faudrait faire le calcul, mais le temps multiplicateur il est assez élevé du coup. Mais je ressens pas de lag, du coup c'est bien. C'est bien souvent quand il y a un temps multiplicateur super élevé, ça nous crée des lags en VR. Et même sur les autres machines, hein, ça les fait souffrir. Non, je n'ai jamais roulé sur Air Factor et je compte pas y jouer. Alors pas parce que je suis un pro assez tôt, un pro automobilista. Mais non, je compte pas mettre de l'argent là-dedans. J'ai déjà assez de jeux de sim. J'ai Assetto Corsa Competition, j'ai Assetto Corsa et puis donc Automobilista 2, Dirt Rally et Kartcraft. Ça me suffit. Ce sont des purs simu, donc ça me suffit largement. Mais bah, on en dit du bien hein, de Air Factor, donc. Et ça y est, le jour se lève. Ah, faut vraiment faire attention comme on appuie hein, son freinage. Mais j'ai pas bloqué les roues, hein. Donc vraiment le lot de sel, il fait vraiment le taf. Hein. La pédale lot de sel, ça marche vraiment super bien. Ah, j'ai été un peu gourmand, j'ai loupé l'apex, donc normal que je sorte. Alors on va voir cette. Il est en VR aussi au Grid Legend. Faut que je regarde. J'essaie de trouver l'entrée des stands. Alors on va rouler cool. Donc je pense que c'est je vais être très loin. Là ça on rattaque. Après on va arriver à la chicane. Mais je pense que c'est vers la chicane. Alors est-ce que c'est vers la première ou vers la deuxième chicane? Alors c'était pas là. Hein. Non, c'est pas là. Ah, ça doit être là. C'est là, l'entrée des stands. Ok, alors c'est limité à combien, je sais pas. Ah, c'est tortueux, hein, cette entrée des stands. Ok, là, il y a le limiteur activé. Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Ah oui, donc ok. J'ai rien besoin de faire pour rentrer au stand. Est-ce que j'y suis là? Est-ce que je suis dans les rails? Peut-être pas. Ouais, si, on dirait que j'y suis. Ok, c'est comme ça que ça se passera donc. Entrer dans les stands comme ça. Ok. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ce live
ben, vous aura plu. J'espère que ça vous a plu. Moi, encore une fois, je me suis éclaté. Je pense que ça se voit. Regardez cette belle bagnole. Peinture, elle est magique. Putain de chrome. C'est magique. Du coup, ben, voilà, je vous serai averti de toute façon hein, si je participe à ces 24 heures. Il va falloir que je m'entraîne un peu. Il va falloir que je voie Alex pour qu'il m'explique un peu justement les arrêts au stand. Pour pas que je me plante, jamais je dois faire la course, sinon ce sera un peu ballot. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous avez lâché le pouce bleu évidemment. Et puis, alors ce soir, je vais sûrement faire un petit peu de FPS sur Battlefield 2042, donc ce sera en flat ou peut-être noir. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Là, je me suis déjà bien farci de la VR aujourd'hui, donc je pense que ce sera sûrement du Battlefield avec les copains. Allez, je vais reprendre mes manettes. Hop. Merci à tous ceux qui sont passés pour le live. Je vous fais la bise. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Et voilà, on arrête tout. Allez, à plus, gars. À plus. À plus, Aurélien. À plus, tout le monde.